Mais. Ce soir-là, j'assistais au match de boxe opposant le champion en titre à un jeune challenger. Entre les deux hommes, la tension était perceptible. Messieurs, je vous rappelle les règles. Nous sommes entre gentlemen. Alors pas de coup de boule, pas de coup du lapin et surtout pas de coup sur l'arbitre. C'est bien compris? Bon, levez le gant droit et dites je le jure. Venez. Aïe, c'était parti. Le combat s'annonçait palpitant. J'avais une légère préférence envers le champion, mais je ne le laissais pas transparaître. Vas-y Apollo, éclate-lui la gueule! Le combat continuait comme il avait commencé. Apollo était dans une forme olympique, au grand dam de son adversaire. Les rounds s'enchaînaient, se ressemblaient, et l'issue du combat ne faisait plus aucun doute. Jusqu'à ce que... Contre toute attente, Apollo venait de se faire crucifier. Seulement, il était inconcevable que le champion perde, d'autant plus que j'avais parié sur lui. Je flairais quelque chose de pas très catholique et décidais donc d'aller faire un tour du côté de la régie vidéo. La solution devait se trouver sur ces bandes. Je passais et repassais la séquence en boucle, quand tout à coup... Stop ! Je vous tiens par la barbichette, mes gaillards. 8. 9. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne mettons pas la charrue avant d'avoir tué la peau de l'âne. J'ai d'abord quelque chose à vous montrer. Bien sûr, vous l'aurez compris, ce match n'avait rien de régulier. Donc, mesdames et messieurs les jurys, posez-vous une seule et unique question. À qui la victoire peut-elle donc bien profiter, si ce n'est au vainqueur? I did not move. Mais comment a-t-il triché, me direz-vous? Eh bien, observez attentivement cette scène. Elle se déroule 30 minutes avant le début du match, soit à 20h18 exactement. A priori, tout semble normal. Or, c'est justement cela qui me mit la puce à l'oreille. Car en y regardant de plus près, on aperçoit le suspect avec son complice. Et oui, mesdames et messieurs les jurys, car il avait forcément besoin d'une aide extérieure pour accomplir son plan machiavélique. La suite, vous l'aurez deviné, est très simple. Le photographe complice se place de façon judicieuse dans la foule, et déclenche son flash qui va ricocher sur les diverses parois pour enfin venir éblouir le champion. Le reste n'est alors plus qu'une formalité pour le suspect. Élémentaire certes, mais encore fallait-il y penser. Des questions ? Apollo fut finalement déclaré vainqueur et Rocky arrêté. Moi, je pus toucher mes gains et surtout rencontrer en muscle et en os le champion dont j'avais lavé l'honneur. Chef, un certain Apollo désire vous voir. Apollo, Sally, Apollo. Faites-le entrer, je vous prie. Tout de suite, chef. Dzień dobry, Apollo, Mr. Dick Spader. Je pomme de tir et ne prestige. Vous savez, j'ai toujours adoré votre crochet du droit. Apollo m'expliqua son point de vue sur l'affaire. Quant à moi, de toute ma carrière de détective, jamais une rencontre ne fut aussi marquante que celle-ci.
Thank you.